Salut à tous, c'est Pokéchou et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'année 2015. Avant tout, bonne année. Voilà, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode 19 de mon Fanslock. Mais voilà, maintenant que je suis en 2015 et que ce n'est plus un épisode préenregistré, je vous laisse vous souhaiter une bonne année 2015. Meilleurs vœux, plein de santé, plein de réussite, tout ça, voilà. Tout ce qui peut vous arriver de bon en 2015. Ensuite, je voulais avant tout aussi dire un grand merci à la chaîne Pokémon Masters, à Guillaume et Kim, qui, même s'ils ne voulaient pas employer ce mot-là, m'ont fait un énorme coup de pub. Ils ont réussi à me faire connaître un petit peu sur YouTube, même si c'est pas grand-chose. Ils ont quand même réussi, vous voyez, à faire passer mon audimat de 30 à 100 abonnés, tripler mon audimat comme ça, juste en parlant de moi, juste en disant que voilà, mon travail est de qualité. Ça m'a fait déjà énormément chaud au cœur, parce que leurs compliments me vont droit au cœur. Et ensuite, bah, tout simplement, ils ont énormément augmenté mon nombre d'abonnés. Donc tout ça, c'est grâce à eux, je voulais les remercier. Donc Guillaume et Kim, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup. Merci pour tout, il n'y a pas d'autre mot. Merci, voilà. Ensuite, bah les gens, bon gramme pour 2015. Donc je vais finir samedi prochain. J'ai pas regardé la date. Donc samedi prochain, je vous mettrai la date hein, et tout ce qu'il faut dans la description. Donc samedi prochain à 16h, je ferai le live de mon fanslock, donc la ligue. Je finirai le fanslock en live avec vous, donc vous pouvez venir voir. Ce sera aussi hein, disponible en replay donc sur YouTube. Comme d'habitude, pas de soucis, juste que la qualité sera un petit peu moindre par rapport à d'habitude. Hein, il n'y aura pas le 720p disponible malheureusement. Donc une fois que ce fanzoc sera terminé, je ferai l'épisode Delta et en même temps quelques petits combats. Malheureusement, comme j'aurai pas accès directement au Move Tutor avant d'avoir fini l'épisode Delta, les combats se feront avec des anciennes équipes qui ont déjà été formées, qui ont déjà été éprouvées, qui n'ont pas besoin des Move Tutor, donc pas de nouvelle équipe pour l'instant jusqu'à la fin de l'épisode Delta justement, que je ne ferai très certainement pas en Nuzlocke. D'ailleurs, je prendrai un petit peu plus de liberté, hein, c'est-à-dire que me laisserai le choix d'utiliser ou pas tel ou tel Pokémon sans trop m'embêter au niveau des règles. Et donc ensuite, une fois que cet épisode Delta sera fini, je reprendrai pleinement les combats et là ce sera de la stratégie, tout ça. D'ailleurs, les combats se feront avec un nouveau format, puisque maintenant je vous ai montré ma trombine, que j'ai aussi un joli fond d'écran animé, tout ça, tout est prévu, donc je vais vous faire des combats qui dureront un petit peu plus longtemps, mais qui seront des combats où je me filmerai en train de jouer, c'est-à-dire que je me filmerai en train de faire le combat, et vous pourrez enfin comprendre un petit peu comment est-ce que je raisonne, comment est-ce que je fonctionne durant mes combats, comment est-ce que j'anticipe un petit peu ou pas les réactions de mon adversaire, quelles sont mes erreurs, quels sont mes atouts, ce genre de choses. Et enfin, donc pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route, notamment je pense hein, grâce au petit coup de pouce de Pokémon Masters, encore merci à eux, il y a un point sur lequel je voulais revenir. Voilà, j'ai une page Facebook, la page Facebook du Elchou. Elle est existante, sur laquelle je suis d'ailleurs un petit peu plus proche de mes abonnés que sur YouTube. Tout simplement parce que sur YouTube je peux répondre à vos commentaires, mais je peux pas faire de choses spontanées. C'est-à-dire que en gros, sur Facebook, je vais vous dire par exemple, voilà, l'épisode de ce soir aura du retard, ou alors je vais vous sortir deux épisodes aujourd'hui plutôt qu'un, ce genre de choses. Même discuter éventuellement avec les fans, et j'organise aussi souvent des concours, et d'ailleurs cette vidéo est là pour aussi vous annoncer, en plus du live de samedi, un concours donc qui vient tout simplement vous permettre de, en participant sur Facebook, vous permettre de gagner donc le Mew automne 2010, le Pichu printemps 2010 et le Shaymin film 11. Et il y aura aussi un dernier prix, donc pour ceux qui sont sur Facebook, vous la connaissez très certainement déjà, pour ceux qui ont regardé le Fanslock aussi, vous la reconnaissez déjà, c'est Clémy, donc qui est ma petite amie, et qui vous proposera aussi de gagner en prix de ce concours un dessin au choix. Donc le gagnant du dessin n'aura qu'à demander et elle le fera, on vous l'enverra soit par la poste, soit scanné, enfin comme vous voulez. En tout cas voilà, c'est aussi l'un des prix du concours, donc si ce concours vous intéresse, allez voir sur la page Facebook, le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai aussi un Twitter, mais je suis quand même beaucoup moins actif dessus, c'est-à-dire que comme j'ai pas une énorme communauté, je poste en général juste mes vidéos. Donc pour l'instant mon Twitter n'est qu'une ébauche, mais peut-être qu'un jour, qui sait, il deviendra un peu plus grand. Avant, ça se passera sur Facebook, et puis sur ce les gens, c'était Pokéchou, à ciao.